Archevêque n'a jamais insulté Joseph Kabila. Il a dit, sauvons le Congo, la République est en danger. C'est ce qu'il avait dit. Même dans le procès, Archevêque a zongela yango. A lobby, la République est en danger. Archevêque a dit cela. N'a pas balancé une image. Mais comment vous pouvez dire des mensonges aux autres baba mensonges? Mais non. Non. Si réellement, aux alliés qu'on servit Nzambe, si réellement vous êtes conduit par le Saint-Esprit, je crois que vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Hein? Il y a les désirs de la chair. Les mensonges, ils ont les désirs de la chair. Non, Tolanda, Archi même n'a procès à l'Obinini, Archevêque Coutinho. Qu'est-ce qu'il avait dit? La République est en danger. Le docteur Ngalassi, que sincèrement, je le sais, on ne se connaît pas. On se croise, on se dit bonjour, mais on ne se connaît pas. On dit, Coutinho, il est orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il veut être solitaire. Vous avez l'exemple. Mon voisin a eu un problème. Il y a Day, il y a un Day à côté de mon voisin. Et je me dis, comme c'est un coup qui arrive chez mon voisin, nous sommes des Africains. Je dois aller m'incliner devant le corps. C'est tout à fait normal. Est-ce que vraiment il faut connaître quelqu'un pour aller s'incliner devant un corps? Je ne connaissais ni la fille, ni le mari de la fille. C'est le voisin. Et voyez-vous, j'étais parti. Je m'étais incliné. Il y a eu des caméras. On a utilisé aujourd'hui ces films cachés, gardés, pour qu'on puisse réclamer la peine capitale à cet homme de Dieu. Heureusement, vous regarderez bien ce film. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, la cour n'est pas dupe. Vous regarderez, vous verriez que quand je saluais le docteur Ngalassi, quand on s'était assis, il regardait à gauche, j'ai regardé à droite. Et là, c'est clair. Mais dis-moi, je n'avais depuis rien contre lui. Seulement en 2003, j'ai vu leurs journaux sortis, louanges, qui m'a insulté. Je me demandais, comme j'ai dit à l'avocat, j'ai dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce que si il veut acheter un immeuble de la façon qu'on voyait et qu'on nous a proposé, moi je refusais parce que ces gens, je voyais qu'ils n'avaient pas qualité. Lui, il a accepté à 4 000 $. Est-ce que c'était un péché? Où est le mal? Et pourquoi il doit m'insulter? En 2003, vous avez le journaux. Je ne connaissais rien. Et je lui dis aujourd'hui, il se rappellera de ce que je n'ai pas dit devant la cour, que j'ai dit les jours-là, nous trois, entre lui et moi et le bishop Kankinza. Je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas. Je voulais le protéger en ma qualité de l'archevêque. J'ai dit, pour ça, je lui dis, parce qu'il a pensé des choses, il a dit des choses qui ne sont pas vrais et que dans ma tête, je ne peux en aucun cas tuer une personne. C'est interdit dans la Bible. La vie humaine est sacrée. Ce que l'homme peut ne respecter pas. La vie humaine est sacrée. Nous sommes créés à l'image de Dieu. La vie d'un homme, c'est le sang. Je ne peux pas verser le sang. Mais comme lui, il a jugé bon que c'était vrai. Je voulais le faire. Il a commencé à m'insulter. Et en 2003 même, j'ai dit, mais essayez de lui dire d'arrêter. J'ai demandé à mes avocats partout de l'Europe, fais quelque chose pour lui faire voir que personne n'est au-dessus de la loi. On l'a fait. Et après, j'ai dit, arrêtez. Je ne peux pas aller se mettre avec un homme qui tient la Bible devant la cour. Malheureusement, c'est ce qu'il se vient de faire. Pour ce qu'il m'a fait, je reprends encore ce que je lui ai dit. Je vous pardonne. Faux témoignage, Nayo. Yango ne kangisa archevêque Coutinho. Oyeti une église, oteyi enseignement numéro 17. Qui était le modérateur de ce jour-là? C'était moi. Moutasala ba démarche pour l'archevêque Coutinho Bima. C'était l'évêque Mukuna. Moutasala ba démarche pour l'archevêque Coutinho Abima. C'est l'honorable Francis Kalombo. Archevêque Alobi Akoma Yango. Soki na loba ki maloba, et se pelisa ki yote.
je te présente mes excuses. Présenter ces excuses, c'est pas demander pardon. Aucune lettre au salé locoté au côté le président sortant au salé locoté, mais tu parles avec légèreté. Archevêque condamné à 20 ans, à 10 ans, Batieli est poison, à Koufité, à Kotina centre Nganda. Le loi azali le lingo yo yebi, oyo mokili mumi baba yebi, à Bundeli Congo. C'était azali le kola Simon Kimbangu, namboka na biso. Azali le kola Desmond Tutu l'Afrique du Sud. Azali le kola l'homme de Dieu, les États-Unis. Hein? Obimi avec légèreté, avec général Albert Kankenza, Kolobaba bêtise envers mon père spirituel. Je suis éprouvé. J'ai perdu mon beau-père. Et je ne pouvais pas rester comme ça. Je n'ai pas le droit de demander à l'archevêque Coutinho si je peux intervenir, ni à Bishop Emi ou à n'importe quel bishop. Non, mon père. Non, je ne peux pas qu'on puisse le toucher. Dans ce monde, mon père biologique, Abimi Sanga n'a mis sur Batouté. Mais Nzambe Abimi Sanga Élysée n'a mis sur Batou. Nanzela papa ou yo, archevêque Coutinho. Abonde la ponanga, ba signe, ba prodige, ba miracle na ministère langa. Mais oyozo loba, eza yangote. Je suis désolé. Un serviteur de Dieu à cause de la menterité. Un serviteur de Dieu à cause de la esclave d'un président de la République. À cause de la derrière un président de la République, même s'il est sortant, ozo landa, ozo bonde la, non. Et tout landa, archevêque Coutinho na procès, verdict yangoyo. Archevêque Coutinho ma loba lobagi. Yangoyo. Je voulais vous dire une chose. Je tiens ma Bible. Je savais qu'aujourd'hui c'était mon jour. Je voulais le dire avec la Bible en main. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas parlé avec un micro. J'ai passé toute ma vie en train de prêcher la Bible avec le micro. Et quand je tenais cette Bible, je parlais de la vérité. Je défendais la vérité. Je condamnais le mensonge. Je vais dire à la cour ceci. Ne croyez pas que c'est par hasard que vous êtes là. Si l'hiérarchie vous a choisi, c'est Dieu qui a permis, à travers l'hiérarchie, pour vous choisir. Votre décision, ça serait resté gravé dans l'histoire de ce pays. Et ce procès, c'est un procès test, un procès symbole de la machine judiciaire de notre pays. Il y a eu un homme au nom de Pilate qui ne connaissait pas Dieu, mais qui il avait comme prévenu un innocent, Jésus. Quand il a regardé que cet homme était innocent, il a dit, je n'ai pas droit d'avoir sur mes mains le sang d'un innocent. Je ne peux pas condamner un innocent. Et il en a acquitté. Je pense, je crois ce que vous pourriez faire pour mon cas. Comment? Tout ce qu'on a attendu ici, ce n'était que des faussetés. Je vais prendre un exemple. Maboso, un dimanche, à 9h, Maboso vient à l'église Armée de Victoire où il y a plus de 5000 personnes. Maître Billet a dit, à 9h, pendant la prière, où il y a plus de 5000 personnes à 9h du matin, j'ai vu un monsieur en tenue policier d'Angola. J'arrête le culte. Je dis, aujourd'hui je ne prêche pas. Entre dans mon bureau. Et mon bureau, qui aujourd'hui d'ailleurs, la partie civile occupe ce bureau, le docteur Ngalassi, et je crois que leur allié, son allié, a pu visiter mon bureau là où j'étais. Ce bureau qui mesure 10 mètres sur 5. Mais ce jour-là, ce dimanche-là, 9 décembre, or dans la date, 9 ce n'est pas le dimanche, c'est lundi. Allez-y comprendre, allons comme ça, allons. 9 dimanche, c'est lundi, on ne sait pas, mais au pas. On entre, mon bureau s'est réduit. Automatiquement, le bureau s'est réduit à 1 mètre sur 5. Où
je donnerai l'argent à ces garçons. Je prendrai ces garçons le dimanche 9, lundi, on sait pas. On part chez moi, ma femme qui est censée à être avec moi comme d'habitude, le dimanche à l'église, mais ma femme se dédouble. Elle sera à la maison en train de servir de la bière, Skol Uprumus, sur la partie qu'ils connaissent, à ce jeune homme, Mabosso. Si, voilà ma, ce que je peux vous dire, si vous pourriez croire à ça, condamne-moi. N'hésitez pas devant Dieu, devant le monde invisible et le monde visible qui regarde, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas à ça, laissez-moi aller servir l'Éternel. Il y a des brebis de Dieu qui ont besoin de moi. Ce pays a besoin de moi. Je prends un autre exemple pour terminer. Une personne, irruption dans notre bureau. Ils entrent, quelqu'un crie, les armes, on me prend. 2 ans après, je dis bien, 2 ans après sur cette cour, on me montre ces armes, mais bien sûr, sans les munitions. Jusque-là, je n'ai pas vu les munitions. On aurait dit qu'il y a des armes et munitions. Mais je vous dis que je n'ai pas vu les munitions. Mais 2 ans après, parce que quelqu'un a dit qu'on a entendu, et 2 ans après, on dit, voilà les armes, c'est pour vous ces armes. Monsieur le Président, mon colonel, honorable membre de la composition, si vous croyez à ça, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas, veuillez m'acquitter. Je vais servir mon Dieu. Je suis un lévite. J'ai été appelé à garder les brebis du Seigneur. Voilà ce que j'avais pour terminer. J'aimerais dire ceci. La Bible me dit, quand tout le monde parlera au nom de l'Éternel, donc quand tout le monde invoquera, priera Dieu au nom de leur Dieu, mais vous invoquerez Dieu au nom de l'Éternel des armées. Vous n'êtes pas tout le monde. Tout le monde invoquera le Dieu de mensonge, le Dieu de montage, mais vous n'êtes pas. Vous invoquez le Dieu de la vérité. Et laisse que la vérité puisse prendre la place au mensonge et laisser libre les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la RDC au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonsoir na peuple congolais de partout et sika boza kolanda. Wabino molobeli amboka, le prophète surnaturel King MB Elize. Na pesi bino nyon sombote bisika nyon sobozali. Lelo na ye ko annonce na bande konangai bolanda ki l'homme de Dieu l'évêque Albert Kankenza, comment il a témoigné avec toute légèreté envers le père des églises des réveils Nambo Kanabiso Congo, l'archevêque Coutinho Fernando. Alors Naza na matanga Bokilo nanga papa boti madame Atikibiso personam Matanga Zali, maintenant on a lundi vidéo il y a évêque Albert Kankenza, un homme de Dieu que je respecte, que j'aime beaucoup, n'a sepe là qui n'a réagir, n'a tout n'a qui papa n'a pas moli mon archevêque Coutinote, n'a tout ni membre mon côté y a ma pinga nelonga, parce que ça m'a fait vraiment du mal, très mal, évêque Albert Kankenza. Na lingako mingi, na respectaka yo mingi, je vous respecterai toujours. Mais vérité, kotika la vérité. Procès ya archevêque Coutinho ezalaki politique. Na 2003, archevêque Coutinho lobby, la République est en danger, sauvons les Congos. Il n'a pas insulté Joseph Kabila. Atal ici, vie sociale, économique, politique, rien ne marche na Congo. Par conséquence, il y a déclaration, il y a archevêque Coutinho, il y a un autre chose vivre en Golélo. Situation chaotique na Congo, ezali régime il y a Afdel, régime il y a Laurent Désiré Kabila, régime il y a Joseph Kabila. Archevêque Atelemi Coutinho Fernando, je suis le fils spirituel de l'archevêque Coutinho, membre de l'église armée de victoire. Je n'ai pas commencé le ministère ici au Congo.
Mais ils ont vraiment regrettable homme de Dieu, le col archevêque, plutôt évêque Albert Kankenza, au Télémina, émission Yandeko, yo, Bosolo na politique, osa couvrir Joseph Kabila. Et Talio, je n'ai rien à dire. Mais osali ko ville pandé archevêque Coutinho. Non. Bah, kangi archevêque Coutinho, po yon to bimisi, bah, tu teka archevêque Coutinho, ezali, yona pasteur Ngalas. Soki basusu bazali na kotanga kumuna bango te na kotanga nani d'abord yo Albert Kankenza ozala ki présent église de réveil oteki ndeko na yo kati na Yesu archevêque Coutinho Fernando avec pasteur Ngalas et l'archevêque Coutinho ozala ki prisonnier politique makambo salama ezali politique pour le baki sauver le Congo. La République est en danger. Bake kozo Ngalasi, pasteur Ngalasi, bako kosa makambo lopangu, après ya lopangu bake kolo bake, archevêque Coutinho Fernando alingaka bo Mangalasi. Pourquoi ba voka pasteur Albert Kankenza, oza serviteur de Dieu? Pourquoi ba voka ya Ngalasi bayaki bazalaki na procès? Po ba lobaki ke y avait un soi-disant soldat, maboso archevêque Coutinho atikala komona ete, Maboso a lobby été achevé qu'à Pesa qui est bongo, achevé qu'à Tinda qui a Bomangalas. C'est faux et archi faux. Pourquoi évêque Albert Kankenza, Bakanga, Bishop Bompère, il a fait 5 ans à prison et à Pamba. Il est de Bandundu, Ngalasi est de Bandundu, Obengisi, Bishop Bompère, il était à l'époque interprète à archevêque Coutinho, mon père spirituel. Bok, aye nanda kunona monga fou la beau filmé. Na balabala, enseignement numéro 17. Na kanda kanda. Mais c'est vraiment regrettable. Nazali na koufeli bokilo, nazala matanga, mais na kouwe kou kangate. Mikolo sa la émission politique te. Oya koufi za papa nanga, papa boti madame, aboti penga. Je suis, nazana matanga. Mais archevêque Coutinho, c'est mon père spirituel. C'est le spirituel qui dirige le physique. J'ai des larmes aux yeux avec Albert Kankenza. Avec tous les respects que je vous dois, je suis désolé. Nandengo kosi bosolo na politique. Nandengo kosi tant na communauté nationale que communauté internationale. Yo zala ki na service. Na ba pasteur ebele bele na kotanga kaka yona Ngalasi. Bozala ki na service à Joseph Kabila. Bozala ki kosa la volonté à Joseph Kabila. Bible lobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais heureux celui qui se confie à Dieu. Yo zui pasteur Ngalasi. O memi en na prison. Pasteur Ngalasi a demandé pardon à l'archevêque Coutinho. Na likambo lopangu te. Na likambo oyo a kosa ki na tribunal. A kosi la tribunal ke acheve Coutinho lingia bomaye. Akenda ki na likambo ya mindu kite. Akenda ki na likambo kosenga pardon parce que conscience na ye reprocha ki Ngalasi. Mais yo sali vide. Oleki ne monsieur pa na bosolo na politique. Ozo lobano to batuninga motuna na lobi ke no akenda kosenga pardon atant ke basali na Nzambe soki na somba ki lupangu wana ina tuna ki yote osepela ki te limbisa ngame non lupangu ezaki ya famille nendaka ba mwana nendaka ya mwasi je veux pas citer le nom ayaki archevêque ka somba lupangu ya enseignement numéro 17 iska église salaka na à l'époque na $4,000 je vais vous balancer la vidéo de l'archevêque Coutinho je l'ai ici je connais le dossier. Archevêque Kabila lupangu na kosomba ngo eza lupangu ya famille na kosomba ngo na $4,000 pasteur Ngalasi andimi. Alors yo za la ki président des églises de réveil Joseph Kabila bengisio a bengisi Ngalasi boteki moninga na bino lelo ministère na eza ministère moya ikabord gloire eza lisusu te même Ngalasi nkembo eza lisusu te parce que vous avez trahi un frère dans le Seigneur. Et ma conséquence na yango Ngalasi akufeli mwasi yo pe mwasi oboya za en Afrique du Sud na Cape Town akufi Joseph Kabila très jeune qu'il est akoyo suko postuler deuxième mandat. Dieu a utilisé ba occidentaux pour ba boyi la ye aleka na troisième plutôt mandat ba boyi parce que la Bible déclare dans le livre dans les écritures dans Genèse 8 était ce que l'homme aura semé, il est moissonnera. Causer du tort à un homme de Dieu et vous en avez conséquence ici-bas, pas seulement au ciel. Alors,
évêque Bishop Albert Kankenza, je suis désolé comment on a osé le balokuta. Moi na nzambe musala na nzambe ko le balokuta te. Osé le balokuta batuniyo est-ce que achevé kutino tant beaucoup tant que à trois vous étiez à trois. Na prison à Makala. Akene ko singa pardon. Ote a le baki ne pardon na sens oyo ke soki na on a somba ki lupangu o mona ki mabeli mbisa mais non, ce n'était pas ses problèmes. Akendaki kosenga pardon parce que il a utilisé un certain Mabosho. Bakangi a chevek balobi azalaki na Minduki 1 2 alingaka bomangalasi. C'est ça. Bloko mi balobi balobaki a chevek kutuna lingaka sala. Kongo mobimba bayebi ke l'homme de Dieu a telemi na 2003. Bande ko ba confession religieuse musu ba telema kite. Alobi sauvons le Congo, la République est en danger. Quel courage héroïque. A chevek kutuna c'était un héros vivant. Un héros vivant. Azalina ba blessure, ba séquelle, ba makambo ndenge na ndenge comédien na prison, condamné à 20 ans, ba tu ba abayeko kitana 10 ans, mais au sala démarche à Malongate, pasteur Bishop Albert Kankenza. Olobi lettre archevêque à Komaki. Mouta meme la lettre, c'est moi. Mouta meme la lettre, c'est moi. Archevêque Koutino n'a pas demandé pardon à Joseph Kabila. Parce qu'il avait dit que je n'a fini été n'a ressenti à Joseph Kabila nini. Pardon pourquoi? On insistait. Église n'a eu à l'époque, ils allaient qu'il y a 12e mairie résidentielle à côté à Petit Marché. Je parle avec précision. Ou en église n'a eu à l'aïe, n'a yébissio, n'a zongi le sujet par chef Koutino, n'a pas membre moussou to yébissier, il n'a pas même la lettre. Au lobby, les cas d'intermédiaire, mais c'est moi. Na yé na lettre na pesio à Bishop Albert Kankenza. Zala quand même sérieux. Zala quand même honnête. Zala quand même digne. Bible lobi mieux vaut une bonne réputation qu'un bon parfum. Oyebi ozokisi corps du Christ pour yako satisfaire Joseph Kabila. Ozo loba na émission makamushu la kolo bate à Joseph Kabila ozo bomba mais avec légèreté ozo loba non. Minga nazo lo bano na fingi yote, nazo respecte yo. Mais obimisi ba insanité, obimisi ba bêtise. Archevêque Koutino, c'est pas ton meilleur ami. Non. Moi, je connais le meilleur ami de l'archevêque Koutino. Parmi les enfants de l'archevêque Koutino, oya, vanan l'archevêque Koutino, mingi, a solo li makambo, ministère ti le ne bakangye, j'étais na sauvant le Congo. Après archevêque Koutino, na sauvant le Congo, na 2003, c'était moi, Élysée. Si je suis venu ici en exil en Afrique du Sud, c'est à cause du mouvement Sauvons le Congo. J'ai sacrifié ma vie comme mon père archevêque Koutino Fernando. Mais dire des bêtises, des mensonges, non. Faux témoignage na yo, yango ne kangisa archevêque Koutino. Oyeti une église, au TI enseignement numéro 17. Qui était le modérateur de ce jour-là? C'était moi. Moutasala ba démarche pour l'archevêque Koutino Bima. C'était l'évêque Mukuna. Moutasala ba démarche pour l'archevêque Koutino Abima. C'est l'honorable Francis Kalombo. Archevêque Alobi Akoma Yango. Soki na loba ki maloba et se pele sa ki yote. Je te présente mes excuses. Présenter ces excuses, c'est pas demander pardon. Aucune okay, lettre au salé, l'autre côté, au kouta na. Le président sortant au salé le côté, mais tu parles avec légèreté. Archevêque condamné à 20 ans, à 10 ans, bâtiment lié poison, à confiter, à continuer à centre Nganda. Le loi azali le lingo yo yebi, oyo mokili mou mimbaba yebi, à bundeli Congo. C'était azali le kola Simon Kimbangu, nambo kanabiso. Azali le kola Desmond Tutu l'Afrique du Sud. Azali le kola l'homme de Dieu. États-Unis. Hein? Obimi avec légèreté, avec général Albert Kankenza, Kolobaba bêtise envers mon père spirituel. Je suis éprouvé. J'ai perdu mon beau-père. Et je ne pouvais pas rester comme ça. Je n'ai pas le droit de demander à l'archevêque Koutino si je peux intervenir, ni à Bishop Emi ou à n'importe quel bishop. Non, mon père. Non, je ne peux pas qu'on puisse le toucher. Dans ce monde, mon père biologique, Abimi Sanganami Sobatute. Mais nzamba bimisanga Élysée na miso batu na nzela papa oyo archevêque Koutino abonde la panang ponanga ba signe ba prodige ba miracle na ministère nanga mais oyo zo loba
Esaïe Angote. Je suis désolé. Un serviteur de Dieu à cause de la menteur. Un serviteur de Dieu à cause de la esclave d'un président de la République. À cause de la derrière un président de la République, même s'il est sortant, aux Olanda, aux Obondela, non. Et Tolanda, archevêque, continue à procès. Verdict, Yangoyo. Archevêque, continue à l'obalobagi. Yangoyo. Je te remercie. Je tourne vers la cour. Terminé. Je voulais vous dire une chose. Je tiens ma Bible. Je savais qu'aujourd'hui, c'était mon jour. Je voulais le dire avec la Bible en main. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas parlé avec un micro. J'ai passé toute ma vie en train de prêcher la Bible avec le micro. Et quand je tenais cette Bible, je parlais de la vérité. Je défendais la vérité. Je condamnais le mensonge. Je vais dire à la cour ceci. Ne croyez pas que c'est par hasard que vous êtes là. Si l'hiérarchie vous a choisi, c'est Dieu qui a permis, à travers l'hiérarchie, pour vous choisir. Votre décision, ça serait resté gravé dans l'histoire de ce pays. Et ce procès, c'est un procès test, un procès symbole de la machine judiciaire de notre pays. Il y a eu un homme au nom de Pilate qui ne connaissait pas Dieu, mais qui il avait comme prévenu un innocent, Jésus. Quand il a regardé que cet homme était innocent, il a dit, je n'ai pas droit d'avoir sur mes mains le sang d'un innocent. Je ne peux pas condamner un innocent. Et il en a acquitté. Je pense, je crois ce que vous pourriez faire pour mon cas. Comment? Tout ce qu'on a attendu ici, ce n'était que des faussetés. Je vais prendre un exemple. Mabosso. Mabosso, un dimanche, à 9h, Mabosso vient à l'église Armée de Victoire où il y a plus de 5000 personnes. Maître Billet a dit, à 9h, pendant la prière, où il y a plus de 5000 personnes à 9h du matin, j'ai vu un monsieur en tenue policier d'Angola. J'arrête le culte. Je dis, aujourd'hui, je ne prêche pas. Entre dans mon bureau. Et mon bureau, qui aujourd'hui, d'ailleurs, la partie civile occupe ce bureau, le docteur Ngalassi, et je crois que leur allié, son allié, a pu visiter mon bureau là où j'étais. Ce bureau qui mesure 10 mètres sur 5. Mais ce jour-là, ce dimanche-là, 9 décembre, or dans la date, 9, ce n'est pas le dimanche, c'est lundi. Allez-y comprendre, allons comme ça, allons. 9, dimanche, c'est lundi, on ne sait pas, mais au pas, on entre, mon bureau s'est réduit. Automatiquement, le bureau s'est réduit à 1 mètre sur 5. Où je donnerai l'argent à ce garçon. Je prendrai ce garçon le dimanche, 9, lundi, on sait pas. On part chez moi, ma femme qui est censée à être avec moi comme d'habitude, le dimanche à l'église, mais ma femme se dédouble. Elle sera à la maison, en train de servir de la bière, Skol Uprumus, seule la partie civile connaisse, à ce jeune homme, Mabosso. Si, voilà ma, ce que je peux vous dire. Si vous pourriez croire à ça, condamne-moi. N'hésitez pas devant Dieu, devant le monde invisible et le monde visible qui regarde, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas à ça, laissez-moi aller servir l'Éternel. Il y a des brebis de Dieu qui ont besoin de moi. Ce pays a besoin de moi. Je prends un autre exemple pour terminer. Une personne. Irruption dans notre bureau. Ils entrent. Quelqu'un crie. Les armes, on me prend. 2 ans après, je dis bien, 2 ans après sur cette cour, on me montre ces armes, mais bien sûr, sans les munitions.
Jusque-là, je n'ai pas vu les munitions. On aurait dit qu'il y a des armes et munitions. Mais je vous dis que je n'ai pas vu les munitions. Mais 2 ans après, parce que quelqu'un a dit qu'on a entendu, et 2 ans après, on dit, voilà les armes, c'est pour vous ces armes. Monsieur le Président, mon colonel, honorable membre de la composition, si vous croyez à ça, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas, veuillez m'acquitter. Je vais servir mon Dieu. Je suis un lévite. J'ai été appelé à garder les brebis du Seigneur. Voilà ce que j'avais pour terminer. J'aimerais dire ceci. La Bible me dit, quand tout le monde parlera au nom de l'Éternel, donc quand tout le monde invoquera, priera Dieu au nom de leur Dieu, mais vous invoquerez Dieu au nom de l'Éternel des armées. Vous n'êtes pas tout le monde. Tout le monde invoquera le Dieu de mensonge, le Dieu de montage, mais vous n'êtes pas. Vous invoquez le Dieu de la vérité. Et laisse que la vérité puisse prendre la place au mensonge et laisser libre les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la RDC au nom de Jésus. Amen. Dolandia Mobisso Nyonso. Procès achevé Coutinho, c'est un procès politique. Et achevé Coutinho, mon père spirituel, a été le prisonnier personnel de Joseph Kabila. Mais Albert Kangenza, au même moment, pasteur Ngalas na prison, asenga pardon, na ndenge ya lopangute, asenga pardon le lenge à mema. Un soi-disant, Maboso, alubi Maboso, achevé Katinda qui Maboso Boma. Pasteur Ngala, c'est du mensonge. Obengisa Ndekondo ya Bandundu, bishop mon père de l'armée de victoire où je suis serviteur, a sala 5 ans en prison, bishop mon père, 5 ans en prison. Achevé kaye na matanga, bo filmé ye, bo lobi ye yo, bo kose la achevé k makambo. Mais mon homme de Dieu, évêque Albert Kankenza, Ozala qui présente les églises de réveil. Mais le loyo, derrière Joseph Kabila, Ozolo avec légèreté, faux témoignage na yo, ba condamné à Chevet Coutinho na 20 ans, pour plaire à qui? À Joseph Kabila. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pour vous, t'as là, mandat à l'État ici, la ka. Ozala, Ozepeli sa Joseph Kabila. Mais, en retour, Ozoa et le côté. Nous, l'armée de victoire, nous ne sommes pas locataires. L'église, n'est pas locataire. Archevêque Coutinho, là où il habite, il n'est pas locataire. Mais qu'il me soit permis, yo ye biango, au menant un petit boulevard, entre 8e et 9e rue, na résidentiel, aux ali locataire. Et si qu'on vend d'aka, aux a locataire. Oye na Kinshasa na 1980, tu y es né, grandi en Mbujimayi. Oye na 1980, évêque Albert Kankenza. Okuta Betel. Okuta patriarche Andinzambe Malamu, ya papa na biso atika biso pe a son âme. Patriarche évangile Aidi Nabala. Okuta papa patriarche ya évangile au Vernon. Okuta patriarche ya évangile papa Kelani. Okuti archevêque Coutinho. Oye na Bethel na 80. Okei poto moza mwana Albert, oza mwana ya Emmanuel Mbiye. Ok, ipoto oizongi, olobango na chaîne na télévision na yo. Archevêque Coutinho a logé yo pendant 6 mois. A pensionna mutuka. A logé yo pendant 6 mois. Ozongi poto, olongwe na Bethel, a logé yo na Kinshasa 6 mois. A pensionna mutuka. Mais le loyo, osaleli Joseph Kabila, osaleli Adonai Yoshua Mashiate. Archevêque Coutinho n'est pas n'importe qui. Le patriarche Atika Biso Verno. Patriarche Atika Biso Aidi Nabala. Mais tozali na a patriarche moko et que vous avez église de réveil négligé. La papa Kelani, il a 90 ans. Bon négligea papa Kelani. Mais papa Kelani a autant encore basal na nzambe mususte. Alobi après papa Kelani, après Aidi Nabala, après Verno, muta memi réveil na Congo, c'est l'archevêque Coutinho, mon père spirituel.
Abandi combat dans 2003, le bi, sauvons le Congo, la République est en danger. Mais évêque, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un homme de Dieu. Je ne peux pas rendre le mal sur le mal. Je vais rendre le bien sur le mal. Vous avez insulté mon père. Olobi, non, archevêque Akosi. Non, Ngala c'est parti demander pardon. N'archevêque Coutinho. Asengi, archevêque Coutinho, pardon. Ndenga Zouaki Maboso. Pour le bébé qui m'a commandé Maboso. Bakanga archevêque Coutinho pour le bébé Mendouki. Deux ans après, Mendouki est en Massas. Et le jour de l'arrestation de l'archevêque Coutinho. Tout cela qui n'a pas été à Raphaël. Après le culte, je suis venu à l'église, enseignement numéro 17. Le colonel Raous, aujourd'hui, a fait qu'il n'a qu'une commandant. Le là, comment général? Major Van, a comment le lot colonel? Bangonde batte à qu'une mazière, bakangi archevêque Coutinho. J'étais présent, moi, le jour de l'arrestation de l'archevêque Coutinho, qu'il me soit permis à voir bisou évêque général. J'étais présent sur l'enseignement numéro 17. Je suis le fils de l'archevêque Coutinho, que vous avez insulté. Mais moi, je ne peux pas vous insulter. Vu l'éducation que j'ai reçue de mes parents et auprès de l'archevêque Coutinho, qui nous a enseigné de ne pas rendre le mal sur le mal. Où tu coquines des potos? Au côté de l'archevêque Coutinho? Bakangi archevêque Coutinho. Quel est le serviteur de Dieu qui a rendu visite à l'archevêque Coutinho? Yo kende une fois, c'est ma avec Ngalasi. Ngalasi a senga pardon. Nandenga kosela ki makambu ya maboso. Le pangwane ali espolié. Et le pangwane a chaque fois qu'on a 4 000 $. Il a dépensé plus de 50 000 $ pour le rebondir. Si kawana. La fille de pasteur de papa Nendaka a yé poté que le pangwane a 4 000 archevêque aboy yo sombi. Aya ki pona ko senga pardon. Pona le mama lupangu te. Pona maboso. Comme l'archevêque Coutinho a expliqué. Je suis désolé. La Bible dit ceci, on reconnaît un arbre par ses fruits. La Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Au-dessus de l'eau, c'est Joseph Kabila. À ça, les Lyonini. Aujourd'hui, Nini, tu as servi Joseph Kabila. Tu étais député, toujours locataire, église locataire. Ndakoulo Ozala Kanangote. Depuis 80 jusqu'à aujourd'hui, 42 ans dans le ministère, il n'y a pas l'épanouissement. Derrière, au mandat ministère, Joseph Kabila, ça l'a quitté. Archevêque n'a jamais insulté Joseph Kabila. Il a dit, sauvons le Congo, la République est en danger. C'est ce qu'il avait dit. Même dans le procès, archevêque a Zongela Yango, a lobby, la République est en danger. Archevêque a dit cela. N'a pas balancé une image. Mais comment vous pouvez dire des mensonges aux autres baba mensonges? Mais non. Non. Si réellement, aujourd'hui qu'on servit Nzambe, si réellement vous êtes conduit par le Saint-Esprit, je crois que vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Hein? Il y a les désirs de la chair. Les mensonges, ils ont le désir de la chair. Non, Tolanda, archi même n'a procès à l'Obinini, archevêque Coutinho. Qu'est-ce qu'il avait dit? La République est en danger. Le docteur Ngalasi. Que sincèrement, je le sais, on ne se connaît pas. On se croise, on se dit bonjour, mais on ne se connaît pas. On dit, Coutinho, il est orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il veut être solitaire. Vous avez l'exemple. Mon voisin a eu un problème. Il y a Day, il y a un Day à côté de mon voisin. Et je me dis, comme c'est un coup qui arrive chez mon voisin, nous sommes des Africains. Je dois aller m'incliner devant le corps. C'est tout à fait normal. Est-ce que vraiment il faut connaître quelqu'un pour aller s'incliner devant un corps? Je ne connaissais ni la fille, ni le mari de la fille. C'est le voisin. Et voyez-vous, j'étais parti. Je m'étais incliné. Il y a eu des caméras. C'est... On a utilisé aujourd'hui ces films cachés, gardés, pour qu'on puisse réclamer la peine capitale à cet homme de Dieu. Heureusement, vous regarderez bien ce film. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, la cour n'est pas dupe. Vous regarderez, vous verriez que quand j'ai salué le docteur Ngalasi, quand on s'était assis, il regardait à gauche, j'ai regardé à droite. Là, c'est clair. Mais dis-moi, je n'avais depuis rien contre lui. Seulement en 2003, j'ai vu leurs journaux sortis, louange, qui m'a insulté. Je me demandais, comme j'ai dit à l'avocat, j'ai dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait?
Est-ce que si il veut acheter un immeuble de la façon qu'on voyait et qu'on nous a proposé, moi je refusais parce que ces gens, je voyais qu'ils n'avaient pas qualité. Lui, il a accepté à 4 000 $. Est-ce que c'était un péché? Où est le mal? Et pourquoi il doit m'insulter? En 2003, vous avez les journaux. Je ne connaissais rien. Et je lui dis aujourd'hui, il se rappellera de ce que je n'ai pas dit devant la cour. Que j'ai dit les jours-là, nous trois, entre lui et moi et le bishop Kankinza. Je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas. Je voulais le protéger en ma qualité de l'archevêque. J'ai dit, pour ça, je lui dis, parce qu'il a pensé des choses, il a dit des choses qui ne sont pas vraies et que dans ma tête, je ne peux en aucun cas tuer une personne. C'est interdit dans la Bible. La vie humaine est sacrée. Ce que l'homme peut ne respecter pas. La vie humaine est sacrée. Nous sommes créés à l'image de Dieu. La vie d'un homme, c'est le sang. Je ne peux pas verser le sang. Mais comme lui, il a jugé bon que c'était vrai. Je voulais le faire. Il a commencé à m'insulter. Et en 2003 même, j'ai dit, mais essayez de lui dire d'arrêter. J'ai demandé à mes avocats partout de l'Europe, fais quelque chose pour lui faire voir que personne n'est au-dessus de la loi. On l'a fait. Et après, j'ai dit, arrêtez. Je ne peux pas aller se mettre avec un homme qui tient la Bible devant la cour. Malheureusement, c'est ce qu'il se vient de faire. Pour ce qu'il m'a fait, je reprends encore ce que je lui ai dit. Je vous pardonne. Et merci beaucoup. Je vais vers mes avocats qui m'ont soutenu. Ngalasi Afunda, archevêque Kutino Kalingaka Bomaye, Bolandi Papa Nanga Mulimo, archevêque Kutino. Mais Albert Kankenza, évêque, Moussa Nanzambozo Kosa. Bozala qui a toi, archevêque Abu, je te pardonne. Yo kena ku au sali 2 semaines bazo bengiso zo kendete aujourd'hui pression et pas à Joseph Kabila kende kolobak lo kuta pe okeyi olobi lo kuta non okende na ngalasi na prison pasteur Albert Kankenza ngalasi asenga pardon na ndenga akosela chefe kutino ke alinga ke abomaye ezala ki likamba lupangu te procès ezala ki likambu ya lupangu te procès ezala ki ngalasi ezala ki plaignant. Alobi ke kutino lingia bomanga la preuve a memaki bishop mon père a kota la ngai a memaki en soi disant maboso comme bomoni na première vidéo mais au komi kuna batio yo pression aujourd'hui ba pression même moi oyebisanga ko jo ba pression aujourd'hui ba pression oyaki kote en église et seigneur tout tout sur la programme moko boyo ya kote en lisusu. Président, c'est Joseph Kabila, ma pékissio, ma lobby, qu'on y a talokolo, qu'on a dé. Et je reprends la répétition pédagogique. Celui qui a fait des démarches pour l'archevêque Kutino, c'est l'évêque, évêque Mukuna. Celui qui a fait des démarches pour l'archevêque Kutino, c'est mon frère, mon jeune frère, l'honorable Francis Kalombo. Yo que Olobi basala la lettre, il a présenté ses excuses mais il n'a pas demandé pardon. On demande pardon quand on commet le bunga yasala ki li bunga te. Je nazala matanga, bokilo nanga kufi. Nazala bémission te depuis lundi. Mais j'ai des larmes aux yeux, je pleure avec Kankenza. Je ne peux pas t'insulter, je n'ai pas cette éducation. J'ai reçu de Dieu de mes parents biologiques. Mais pourquoi vous avez les cas na bosolo yo au comme le quoi la bamusus na otaka komote au lingo sa la baisse mais non ya wa mona ministère na ici là ministère ya batus boteka archeve kutino ici là élection 2018 monsieur Joseph Kabila ko ko bimasu sous présidenté akotika la pe ko bimasu président na Congo té ata bo baloli makamu ndenge nini Joseph Kabila kotika ko sous président na Congo té. Loukou Sakoufa, pasteur Loukou Sakoufa na gala Lubumbashi, c'est Joseph Kabila. Archevêque Kutino, aujourd'hui, nous autres on est commis. C'est Joseph Kabila. Mais yo pose c'est mon mais c'est pas ton meilleur ami. C'est pas ton meilleur ami, celui qui t'a logé pendant 6 mois, a pêché sur la voiture, a logé yo 6 mois, OK ko trahir yé, nangalasi. Mais non.
Le pango tozana nguna nyangara lele sik église ezali eleki le pango ya osika tozana ki enseignement numéro 17 na valeur nzamba sali biso ngolu archevêque na prison église armée de victoire to sombi archevêque kutuna sombi ndaku ipene sika a chaîne na télévision ezali to somba mais vous êtes locataire mais avec Joseph Kabila l'église locataire monsieur Albert Kankenza évêque avec Joseph Kabila vous servez quelqu'un oya soko kipe binoté. Et vous continuez à servir ce monsieur. Je suis désolé. Batou ni on a sango. Bota l'émission ya évêque Albert Kankenza. Et pas ya sango. Bosolo na politique. Oh ma kamba Joseph Kabila na koko lo bate. Achevé que te Congolais n'y soit yébi. Même au babota minasima. Azala ki prisonnier politique ya Albert, ya Joseph Kabila. Qui ne connaît pas? Yo ga soko osa la baisse, mais non. Okoma ikabod, gloire et kenda. Dieu vous a puni. Ngala si akufela mwasi pinisho nzambe. Yo mwasi osundola na Cape Town 12 ans. Osundolie. Je suis désolé. Je suis désolé na bakambozo sala. Ezali propreté. Osali soni. Olakisi biso ko. Osali la kanzambe na hypocrisie. Osali la kanzambe na katia masonge. Je suis désolé. Yo yo kouti acheve kazote ya na Congo. Okuti acheve kazoko. Asali misala na je peux pas énumérer ici. Na la memi réveille. Ba papa e misat Osborne. Papa ya église la borne. Papa to tikal nenkelani. Patriarche. Aïdi na bala. Après eux, c'est l'archevêque Coutinho. Jusqu'aujourd'hui, c'est l'archevêque Coutinho. Botikali na Congo, l'ok bo sala gezate. Évangile bo baby si yango. Vous n'avez jamais prêché au stade des martyrs. Évêque général. Évêque Albert Kanken. Au tir à côté de la martyrité. Moi, j'ai prêché au stade des martyrs. Plein. Bah, signe, bah, prodige, bah, miracle. Dans le bim, boule, ko betate pendant 3 jours. Boule, betate. Dans le ministère, Dieu m'a utilisé plus que toi. Vous prêchez sur l'onction. Est-ce que Jésus nous a prometté qu'il puisse onction ou bien alors qu'il est Saint-Esprit? Je vous enverrai l'onction. Jésus n'a jamais dit ça. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous prêchez sur l'onction. Non, Dieu, Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Dans le ministère, aux amouana et pas archevêque Coutinho. Dans le ministère, aux amouana, aux collègues dans le ministère. Archevêque, aux papa na yo. Ndengo, aux alimouana ya apôtre Emmanuel Mbia Tikabiso. Archevêque en prison. Papa Emmanuel Mbia yekota l'archevêque. Nous étions à toi. Baba ni kosolo la ndenge babanda ministère na Kinshasa. Bazalaki na komi na Kasavu bukuna na Christ et Rob na retraite. Bazo solo la moi présent. Yoza mwana et pas ya Emmanuel, apôtre Emmanuel Mbie, père son esprit. Et pas archevêque oza mwana. Yoza collègue archevêque Kutinote. Archevêque Kutinote za mouninga na yote oza mwana. Le bac avec respect, considération. Évêque Ozali Mwana, Albert Kankenza, Ozali Mwana n'est pas ya archevêque Coutinho Fernando. Oza Mwana. Je dis encore Oza Mwana, tu n'es pas son ami. Oza Masua na été ne basoda baloba. Oza même collègue na été. Oza Mwana. Demande pardon. Tant n'engo koufeli mwasi o sundola mwasi mwasi a koufi. Le pasteur Ngalasi mwasi a koufi. Eza punition bo funda archevêque Coutinho. Yemoko Joseph Kabila 2011 nzamba simba kabato kotina nzela ba occidentaux ale ababoya apostilé. Je veux pas citer les pays africains où ba président basala ba postilé 4 5 6 fois mais Joseph n'a pas pu postuler à cause il y a archevêque Coutinho. Dieu l'a frappé Joseph Kabila, il est sous la malédiction. Yonangala s'il faut que les sous archevêque Coutinho bosenga ye pardon bo ndela ye alimbisa bino yes alimbisa bino. Allez encore à prier pour Nayo, pour ministère Nayo Zonga. Alors je crois que c'était. Je n'ai rien à prendre pour retarder avec Albert Kankenza. Je n'ai pas droit à refinger de Nago Salayamote. Alors pour la reçue qui s'en a reçu, n'a pas de Konangaï, politique et Zali, adversaire politique, tout ça, bénémité. J'ai eu un élément, il y a un déco Jean-Marc Abundi, où il a manqué respect na. Président de la République Chilombo, mais na moni bandeko ya IDPS, tout ça, adversaire politique, tout ça, benemite, tout lingana,
politique des abénémité. Bon, mon ami, Jean-Marc Kabundi a bandé un politesse ne l'éloté. Jean-Marc Kabundi, il a manqué Moïse Katumbi, il a manqué Jean-Pierre Bemba. Le lot a manqué le président Chilombo, Bolobi, et ça Moïse Katumbi, c'est pas Moïse Katumbi, et ça Natir Naye. A Botamandenge wana na territoire kuna na Kasai, quand il avait dit Gaza Katangé, Tchokanaza ne Katangete. Usurpation et identité. Donc Jean-Marc Kabundi, politique, basa la kayamou ya ko critique, kaka, moto ya sokoli yo maya misute. Nga moukolo, moko tatana ndoto, na ko bimisa maloba, contre archevêque, wana nzamba ko zwanga. Na ko tika la koloba monte. Atanza ma tombolinga na niveau nini, archevêque reste mon père. Devant lui, je vais m'incliner. Atanza basale linga bolamu koleka ye na aza papa. Isaac akitake na makolo ya Abraham. To respecter. Na archevêque c'est un peu naza na matanga mais avec des larmes aux yeux. Tango tangi kombo archevêque te pas jusqu'à ce niveau. Mais Jean-Marc Kabundi bimi mandenga mabe a manqué Moïse Katumbi, a manqué Jean-Pierre Bemba. Le là est qu'on manquait sous Félix Antoine Tshilombo. Moïse Katumbi n'a rien à voir. Élément yangoyo, ngalo baka makambu avec preuve à l'appui, élément yangoyo. Bota la bino moko orgueil à Jean-Marc Kabundi. Ça n'a rien à voir avec Moïse Katumbi. Non, ça n'a rien à voir. C'est tout ce que je continue à faire. L'orgueil y a bateau bayako zona pokwa. Nous nous sommes retrouvés, nous, chef de l'État. Moi, Jean-Marc Kabundi. Moi, j'ai représenté ma formation politique, qui est l'UDPS. On a une histoire avec eux. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Une histoire heureuse, malheureuse, mais c'est quand même une histoire. Voilà pourquoi on devait encore se retrouver dans ces formats. Et un cahier de charge a été déposé, où nos amis n'ont pas hésité de réclamer les deux institutions. Ils disent, voilà, Katumbi prend la tête de l'Assemblée nationale et Jean-Pierre Bemba prend la primature. Tout de suite, j'ai l'air dit que ce n'est pas possible. Tout de suite, j'ai l'air même pas attendu. J'ai dit, monsieur le président, excusez-moi, ce qu'ils disent là est impossible. Je ne peux pas comprendre qu'on vous propose pareille chose. Et j'étais direct, j'ai dit, non, vous êtes venu tuer l'Iosané. On dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, vous ne pouvez pas, si vous avez venu tuer l'Iosané, vous ne pouvez pas mener pareille proposition. J'ai dit, vous ne pouvez pas penser comme ça. Vous de la tête que vous êtes là, vous avez moins de 100 députés. Quand vous réclamez la primature, vous réclamez l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les autres n'ont rien apporté dans cette histoire. Vous méconnaissez les efforts des autres. À dire à mon droit, tu défends l'FCC, je dis non, je ne défends pas l'FCC. Mais ici, je suis dans le réel politique. Alors, ce que vous faites là, c'est de la politique fiction. Vous voulez faire croire au président de la République que l'Union sacrée peut fonctionner sans cela. Parce que vous dites que non, mais monsieur le président, imaginez que le Union voie à la tête de l'Assemblée de quelqu'un qui est avec Kabila. À regarder dans la même direction pour l'intérêt supérieur de la nation. Décidément, ils sont déterminés à regarder dans la même direction pour l'intérêt supérieur de la nation. Le président du mouvement des libérations du Congo, MLC, et celui d'Ensemble pour la République, sont venus rencontrer ces samedis dans la soirée le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabundi. Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Tshapwe ont échangé longuement avec les chefs de l'État pendant plus de 3 heures en toute convivialité. Si rien n'a filtré de cette triomvirale, on croit savoir que le président de la République et ses invités n'ont pas manqué d'évoquer les grandes questions politiques de l'heure, notamment la reconfiguration du paysage politique. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi étaient parmi les premières personnalités politiques à soutenir les consultations présidentielles par leur participation. Ils étaient aussi les tout premiers à s'exprimer publiquement en faveur de l'Union sacrée pour la nation après les discours historiques des ruptures du 14 décembre dernier devant le Congrès. Leur appartenance à l'Union sacrée ne fait l'ombre d'aucun doute et il reste à savoir quel rôle chacun de ces leaders va devoir jouer dans les nouveaux paysages.
Venus de leurs fiefs respectifs de l'Équateur et du Katanga, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi totalisent à eux seuls près d'une centaine de députés nationaux, tout aussi déterminés à jouer un rôle non moins important dans la réqualification de la majorité parlementaire. Les jours qui suivent nous édifieront. Ezali pas si peu mawa, l'éloyo Moïse Katumbi est dans l'Union Sacrée, Jean-Pierre Bemba est dans l'Union Sacrée, mais Kabundi yewana akei. Pourquoi motema moto moto? Alors, on a reçu un bande de IDPS. Kabundi est un problème na bino interne. Moïse na Katumbi n'a rien à voir. Celui qui est derrière Jean-Marc Kabundi, c'est Roubaix Roy, Kagame, Bangonde Baza Sima. Il y a Jean-Marc Kabundi, le président Moïse Katumbi n'a rien à voir. Bozali, toza ba adversaire politique. Ma finga, ba discussion, ça n'a rien à voir. C'est comme monsieur l'évêque Kankenza, Azako Ville Pandé, archevêque Koutino, na monsieur ya Bosolo na politique, je ne peux pas accepter cela. Et pas archevêque Koutino, oza moana. Et pas archevêque, yo, oza collègue nanga, oza moana. Na fingi yote na lobino clair osa mwana. Moi je prêche au stade des martyrs, mais yote un instant de martyrité. Qu'il me soit permis na luka vidéo na rapide. Quand Kenza na palmarès na yate na un stade de martyrité. Faut qu'on se le dise. Albert Kankenza ate ya na stade de martyrité. Faut te lo bayango ate ate. Mais nga na te na stade de martyr. Batounous ba yebi na te na stade de martyr. Albert Kankenza esika te en public. Na terre à Saint-Dominique, na limité, en face église. Ouais. Donc, cause à la présente église des réveils, oui. 20 ans présent église des réveils sans bureau. Bozana siège à église des réveils, tilelo et zalakate. Il y a catholiques, il y a protestants, il y a musulmans, il y a kimbanguistes, il y a orthodoxes, il y a église des réveils, bazanga siège. Au diriger 20 ans sans siège. Ndakou yayo, au vanda, aux anangote. Église, aux allocataires. Mais armée de victoire. Ne réobote et tosomba. Ndako archevêque Koutino Ezali. Et chez la télévision Ezali. Alors, osana natir moko lokola ya Jean-Marc Kabundi. Jean-Marc Kabundi, si manaye, ce n'est pas Moïse Katumbi. Je vous demande très bien, mes frères de l'église, ya IDPS, na sima Jean-Marc Kabundi, c'est les Rwandais. Ce n'est pas Moïse Katumbi. Il n'a rien à voir. Il pense à autre chose. Hein? Yo, Jean-Marc Kabundi, au Vandina, président de la République, Boyokinde Jean-Marc Alobi, je n'ai pas pu attendre. Non, président, excusez-moi. Mais non, tu ne peux pas avoir la parole, non. Au cause de la parole, le président Félix après. Mais au 4e Aloba, le Jean-Marc Kabundi, Azaliwabi. Moïse Katumbi est dans l'Union Sacrée. Jean-Pierre Bemba est dans l'Union Sacrée. Mais yo le long Kabundi ozali wapi? Ngal na lobaka biloko pièce contre pièce bo moni yango na la kisibino. Il a manqué Moïse Katumbi. Il a manqué Jean-Pierre. Quel orgueil! Bible lobi l'orgueil tue. Yango monaki orgueil boma ministère ya Kankenza. Orgueil boma ministère ya Ngalasi. L'orgueil tue. Orgueil et Memi, quand Memi, ce monsieur de Jean-Marc Kabundi na Lubwaku. Jean-Marc Kabundi n'est pas avec Moïse Katumbi, bande quoi, IDPS, Botika Babilo Kouana. Jean-Marc Kabundi derrière lui, bon, monaki na Kisantu, Azali Kolo Cheval, qui était avec Jean-Marc Kabundi, lui pouvoir est bien, Roubaix Roy Seka. Botika Kouchou, cible, Moïse Katumbi. Moïse n'a rien à voir avec Jean-Marc Kabundi. Avec cette insolence, Aokena Iwapi. Aokena, tout ça là bas, raisonnement, moko bien, tout ça là bas, analyse, moko kitoko. Moïse Katumbi, Aokena, Jean-Marc Kabundi, Wapi. Poya, Jean-Marc Kabundi, selon lui, il y a un candidat. Moïse Katumbi, il y a un candidat. Il y a Jean-Marc Kabundi, il y a un impact, ça, ça là. Makambu, ça vendit ça. Ensemble, c'est vanda. Alors, botika kolinga ko tia conflit. Oh, bosa sima ya Fatia Félix Antoine Tshisekedi le président avec le président ensemble Moïse Katumbi. Non. Botika ko tia conflit entre Moïse Katumbi na président Félix Antoine Tshisekedi.
Kabundi, ce sont les Rwandais qui sont derrière lui. Ce n'est pas le président Moïse Katumbi. Non, non, il n'est pas derrière. Alors, avec Albert Kankenza, Narosenga, Narosenga, Archevêque, Coutinho, pardon. Il y a 4 saisons. Comment il se comporte? Il filme, il boit, il prend tout, tout. Et la boy. Moi, je suis au Tikobala. En décembre, l'église de Yomo Yebi. Je me comprends. L'église de Yomo Yebi. Avec Albert Kankenzo Yebi. Moi, je suis au Bali. C'est une femme d'affaires, commerçante, une femme d'affaires. À Longola, à Noé, à mariage. Janvier, février, mars, elle a son église. T'es. Pourquoi? Comportement dans les dignité. Apôtre Paul Tango a yambi yes na route à Damas, à Tika Bekobo, à Tika Bamblogo Nyoso, à Tika Balo Yenge. Olandi Joseph Kabila, et l'okote apesa yo, nda koute yo moko loba ki yamon emisye yon na zoloba. Lupangute, ninite, ozo bomba Joseph Kabila, mais ozo ko vil pande archeve koutino, ou azali namolim, azali collègue. Emmanuel Mbie. Achevez continuer à dire collègue dans Massoua, il y a Emmanuel Mbie. J'étais présent en prison, Vandi, Bazo Solola, Ndé Bazalagi na retraite, na quand Christ est roi, na Kasavubu. Bazo Sala, Massoua, Bazo Solola, Babanda ministère. Yosa mon Albert, il y a Emmanuel Mbie, il y a Bethel. Ngaze mon achevez continuer. Nous sommes des collègues. Mais nous respectons. Mais tu ne peux pas manquer mon père. Que ce soit pour la dernière fois. Prochainement, je n'accepterai pas. Donc, bande konanga ya IDPS, je vous dis la vérité, Jean-Marc Kabundi derrière lui sont des Rwandais. Tokuta nambalasima, merci na bato bazo compatir nanga na matanga, bozo benganga na kufeli papa Bokilo. Donc merci beaucoup. Tokuta na après matanga to sur la magamba politique. Merci. Ba congolais nyoso to ba ngba iba, il faut battre la racite nini. Ah, soko uzali congolais ya solo et singeli ota la bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Soko di congolais a solo o kokiko zanga mokolo mokote e sengele otala bobele Congo dialogo oyeba makambo mazali koleka kuna. www.congodialogue.com soko za congolais a solo yango wana. Zeta lobi yango foko talaka. Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosanate. Otala kapeka ka Congo dialogue. Tembete. Ya, soki ata nazali congolais so ata ba mendele kwa kokiko tala. Congodialogue.com.